Aujourd'hui, on va regarder des choses qu'on peut lire pendant la quarantaine. Parce que, évidemment, tu sais, prendre sa température 8 fois par jour puis écouter les plus grands succès de William Shatner, ben ça finit par faire son temps. Fait que j'ai quelques petites suggestions de lecture. On va revisiter ensemble les plus grands classiques de la littérature mondiale pour pouvoir essayer de s'édifier un petit peu pendant que tout le monde est pogné chez eux à pas pouvoir sortir. Première suggestion de lecture, en fait, deux titres. Si vous êtes des fans de réalisme magique, c'est quoi le réalisme magique? Le réalisme magique, c'est genre dans la réalité, ben il y a aussi de la magie, puis ça a l'air d'énerver personne. C'est comme Harry Potter? Non, c'est pas comme Harry Potter. Le réalisme magique, c'est une littérature qu'on trouve beaucoup chez les auteurs latino-américains et le plus célèbre, ou enfin un des emblèmes du réalisme magique, c'est Gabriel Garcia Marquez. Alors, deux titres de Gabriel Garcia Marquez qui pourraient vous inspirer pendant votre quarantaine, 100 ans de solitude et L'amour au temps du choléra. Maintenant, j'ai prêté mes titres de Gabriel Garcia Marquez à je ne sais plus qui, je soupçonne fortement ma sœur, mais je ne suis pas certaine, et je ne les ai plus à la maison. Alors, à la place, je vous ai fait un beau dessin ici, qui représente l'amour au temps du choléra. Voilà, c'est un violonneux, puis il est amoureux de la fille, mais la fille, elle l'aime, mais puis là, elle l'aime plus, puis en tout cas, elle s'est mariée avec un médecin qui est riche, puis là, il est triste. Fin. Fait que voilà, deux titres fort inspirants. Si vous êtes amateur du réalisme magique, si vous savez pas c'est quoi le réalisme magique, ben lisez des livres de Gabriel Garcia Marquez. Pour les amateurs de poésie, pour se changer les idées pendant la quarantaine, pendant que tout le monde parle de coronavirus, pourquoi pas revisiter Capitale de la douleur de Paul Éluard, des grands classiques comme ça, toujours hop la vie, hein? Je ne l'ai jamais lu, mais c'est dans ma liste de lecture. J'imagine que je vous le recommande, Capitale de la douleur, excellent pour se changer les idées. Maintenant, pour les gens qui sont à la maison avec les enfants et qui ne savent pas quoi faire, ben pourquoi pas mettre en scène des pièces de théâtre, hein? D'abord, deux grands succès de Jean-Paul Sartre, qui sont toujours d'actualité, Les mains sales, évidemment, et Huit clos. Huit clos, c'est facile, il y a juste trois personnages champagnés dans une même pièce. Je pense que vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. Donc, voilà, pourquoi pas mettre ça en scène, ça va édifier toute la famille. C'est grand public, ça finit bien. La morale de l'histoire, c'est que tout va bien dans le meilleur des mondes. Je vous recommande vivement une belle mise en scène de Huit clos. Sinon, ben, le Malade imaginaire de Molière, un autre grand classique français. Hein, tout le monde a le coronavirus, mais ce n'est pas une raison pour arrêter d'être hypochondriaque. Comme moi, récemment, là, j'ai subi de vives attaques de gigantisme et de la maladie de l'orme, deux guérisons miraculeuses. Alors, pourquoi pas se rappeler qu'on peut aussi s'inventer des nouveaux symptômes et comme ça se divertir des symptômes du coronavirus? Parce que si le coronavirus est sérieux, il n'y a rien qui nous empêche de rire un bon coup avec le Malade imaginaire de Molière, une autre pièce qu'on peut mettre en scène chez soi. Si on continue toujours avec les auteurs français, ben écoutez, là, deux grands succès de la littérature existentialiste, La nausée de Jean-Paul Sartre et La peste d'Albert Camus. La nausée de Jean-Paul Sartre, ben écoutez, c'est l'histoire d'un gars, il est poche, il s'en va dans une ville poche pour écrire un livre que personne ne va lire sur un marquis dont tout le monde se fout. Fait que quand il se rend compte que son entreprise est totalement vaine puis que tout le monde s'en fout du marquis, ben il arrête puis il fait plus rien. Puis, ben, il a la nausée. Puis, à la fin, ben, il écoute de la musique, puis ça le calme le pompon. Ben, voilà, de la haute littérature. Je vous le recommande vivement, c'est un de mes romans préférés. Sinon, La peste d'Albert Camus, encore une fois, ça va vraiment vous changer les idées. Toujours, hop, la vie, là, c'est l'histoire d'une ville, puis à un moment donné, ben, il y a la peste. Puis, ben, là, les gens font rien, puis la ville est fermée, puis les gens attendent, puis... Finalement, la peste, qu'est-ce qui se passe? Elle s'en va, puis ça se termine avec un des excipites les plus célèbres de la littérature. Écoutant, en effet, les cris d'allégresse qui montaient de la ville, Rieu se souvenait que cette allégresse était toujours menacée, car il savait que cette foule en joie ignorait, et qu'on peut lire dans les livres que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi dans les meubles et le linge, qu'il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que peut-être le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. Conclusion de l'histoire, la peste, c'est comme les nazis, on pense qu'on s'en est débarrassé. Ben non, crime, ça revient tout le temps, ces niaiseries-là.
Si on s'en va du côté de la littérature russe, qui est vraiment ma tasse de thé, pourquoi pas se changer les idées avec une lecture légère, une lecture vraiment là, grand public, faite pour tout le monde, qui saura divertir toute la famille. Vous pouvez en lire des extraits à vos enfants le soir, « L'archipel du goulag » de Solzhenitsyn. Hein? C'est ben, des gens dans un goulag, puis ben, ils se font chier. Fait que quand on se compare, on se console. Et aussi, ben, mon auteur préféré, Dostoïevski, « Les pauvres gens » et « Souvenir de la maison des morts ».« Les pauvres gens », ben voilà un exemple parfait de distanciation sociale. C'est l'histoire d'un gars, il est un peu paumé, en fait, il n'y a jamais une scène. Puis l'histoire d'une fille qui est comme, genre, son amie. Mais les deux sont tout le temps dans leur maison, ils n'en sortent jamais vraiment, puis ils s'écrivent des lettres. Ah, ça, pour s'écrire des lettres, ils s'écrivent des lettres. Puis ils s'en passent des affaires dans leurs lettres, puis ils passent son temps à dépenser de l'argent n'importe comment. Puis elle a dit, tu dépenses ton argent n'importe comment. Fait que voilà, ils se voient jamais, mais ils sont en contact. Les pauvres gens de Dostoïevski, un grand classique. Quant à Souvenir de la maison des morts, ben, c'est dans ma liste de lecture, je ne l'ai pas encore lu, mais je m'attends à vraiment là, à être édifiée par tant de bonheur, de bonne humeur et de bons sentiments. Et finalement, pour tous les gens qui trouvent que mes lectures ne les sortent pas vraiment du contingentement, de la contingence de la vie et du fait qu'on est pogné dans nos maisons à angoisser sur le coronavirus. J'ai vraiment un texte qui va vous mettre un sourire dans la face et égayer vos journées. « Les derniers jours d'un condamné » par Victor Hugo. C'est vraiment un classique. C'est l'histoire d'un gars, il est condamné à mort, puis turns out, à la fin, ça finit bien, il meurt. Sur ce, ben, ça me fait plaisir. J'ai hâte de vous revoir. J'ai essayé de faire des vidéos pas mal à toutes les semaines, parce que finalement, j'ai pas grand-chose d'autre à faire, puis ben vous non plus. Puis voilà, on va parler plein de choses, écoutez, là, des bricolages à faire avec les enfants, ça va être malade, du maquillage, parce que, ah, c'est bien le fun de garder une face qui a de l'allure, même si on sort jamais de chez soi, et ben peut-être faire de la cuisine, là, je sais pas encore. Fait que, ben, donnez-moi vos commentaires, vous pouvez liker, puis tout, puis ces affaires-là, puis à la prochaine!